D'avoir part à l'héritage des saints. Et ce soir, nous sommes que de bénéficiaires de ta grâce. Je te précède pour te dire merci parce que tu nous honores déjà de ta présence. Tu nous honores par la manifestation de ta puissance. Tu nous honores par ton onction. Saint-Esprit de Dieu. Nous t'assistons ce soir. Agis, manifeste ta puissance. Et nous jurons de rendre toute la gloire au nom de Jésus. Parle-nous, enseigne-nous encore. C'est notre culte de délivrance. Et nous voulons palper la délivrance ce soir. Merci parce que tu vas encore glorifier Jésus-Christ parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tofandi na se atmosphère. Acclamons Jésus. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ pour le privilège. Ce privilège de commencer ces thèmes du mois, la réconciliation avec Dieu pour la différence. Et je crois que quelqu'un, le Saint-Esprit, va te parler ce soir. Parce qu'il m'a dit dans sa parole que j'ouvre ma bouche et lui-même il va remplir. Je bénis Dieu pour l'apôtre établi de cette commission qui m'a donné cette opportunité. Voyez, il y a culte, il y a délivrance des Saintes-Saintes. Et soyez les bienvenus à notre culte de délivrance et des Saintes-Saintes. Le thème de ces mois, c'est la réconciliation avec Dieu pour la différence. Et la parole qui a été écrite là-bas, c'est dans Job 22, 21 à 30. Si chacun de nous, nous avions eu la grâce de lire cette parole, tu vas comprendre dans ce passage. Cet homme a été attaqué par l'esprit du mal, Job. Je préfère à chaque fois que nous puissions actualiser la parole de Dieu. C'est-à-dire quand cette parole prophétique est sortie, Dieu a vu des personnes comme Job ensemble. Cet homme a été attaqué par l'esprit du mal. En étudiant cette parole, un peu d'orgueil a glissé par ignorance. Et son grand problème était l'ignorance. Lui, il pensait que son problème était Dieu. Or, il a été attaqué par l'esprit du mal. C'est après leur conversation avec Dieu, qu'il a compris, là c'est dans le chapitre 42, qu'il a reconnu que Dieu peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Autrement dit, il a engagé la puissance de Dieu. Je ne suis pas très forte avec le thème. Le thème de ce soir, je ne sais pas comment tu vas toi-même mettre ça. Engager l'autorité de Jésus-Christ
pour la réconciliation avec Dieu. La réconciliation, par définition, c'est ramener des personnes à la bonne entente. Rétablir entre elles des relations. Faire en sorte que ces personnes qui étaient brouillées se remettent d'accord. Le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. Il y a un volet que l'Église, corps du Christ, ne met pas en action en ces derniers temps. Il y a l'esprit du mal qui empêche que les enfants de Dieu se mettent en accord. Il y a l'esprit du mal. On ne peut pas passer à la réconciliation si on remet cet esprit à sa position. Voilà pourquoi nous voyons dans les églises, nous écoutons la parole de la sainteté, nous écoutons la parole de la justice, et tu as même envie de changer, mais tu retournes toujours au statu quo. Il y a un esprit du mal derrière. Aussi longtemps que nous ne s'occupons pas de lui maintenant, on ne pourra pas décoller à la réconciliation. Voilà pourquoi ce soir c'est notre culte de délivrance. Nous allons remettre cet esprit du mal à sa position. Le Saint-Esprit nous a révélé dans sa parole. Il y a un jour je dormais par la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Je me réveille, j'avais 2 Corinthiens 4:4. Je ne savais pas. Comme je ne suis pas encore, je n'ai pas encore eu la grâce de tout matcher dans la parole. Et j'ai ouvert la parole de Dieu. Et je vois. C'est comme si je n'ai jamais lu cette parole. Il a dit le Dieu mauvais. Le Dieu mauvais de ce monde. Il a aveuglé les gens pour ne pas contempler la gloire de l'évangile. Nous avons l'habitude de voir seulement les païens. Mais aux Okendena, Ephésiens 1. Mais nous allons dans le livre aux Ephésiens, chapitre 1er. Je vais paraphraser et on va lire le verset 22. Dans Ephésiens 1, l'origine, dans l'origine de Dieu, avant même qu'il crée le monde, l'homme était dans les pensées de Dieu. Et le salut. L'homme était dans les pensées de Dieu. Le salut était déjà dans les pensées de Dieu. Parce que rien ne peut surprendre Dieu. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Dieu a voulu le pluriel dans son royaume. C'est-à-dire vous et moi, avant que Dieu crée le monde, nous étions déjà dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi la première bénédiction qu'il a dit à l'homme et à la femme: soyez bénis et multipliez-vous. Nous voyons ça souvent sur la naissance physique. Mais quand nous naissons de nouveau, Dieu veut que ces espèces-là puissent se reproduire. Parce que Dieu aime le pluriel. Dieu n'aime pas le singulier. Voilà pourquoi, après sa résurrection, dans Matthieu 28:18, il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'était un mandat général à tout enfant de Dieu qui va naître dans le royaume. Parce que Dieu aime, il prend plaisir dans le pluriel. Maintenant voyons Éphésiens 1 verset 22. Éphésiens 1 verset 22 version Louis II. Il a tout mis sous ce pied et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné chef suprême à l'église. À l'église. Il a mis tout sous les pieds de Jésus. Et nous, nous sommes le corps du Christ. Autrement dit, l'esprit du mal, son organisation, se trouve sous les pieds de l'église. Parce que la parole de Dieu déclare Jésus-Christ est la tête. Nous, en tant que son corps, quand la parole dit qu'il a mis tout sous les pieds de Jésus, le Saint-Esprit veut seulement te dire que Satan est sous tes pieds. Si Satan a une place dans ta vie, c'est sous tes pieds. C'est là où est Jésus l'a mis. Aujourd'hui, tu vas comprendre que l'ennemi qui t'empêche de se réconcilier avec Dieu, il est sous tes pieds. Et quand tu es sous les pieds de quelqu'un, c'est-à-dire tu es étouffé. Mais comment le diable étouffe ta vie? Ce n'est pas anormal. Aujourd'hui, par la révélation que tu as aujourd'hui, tu vas prendre autorité sur lui et il ne va plus t'empêcher de démontrer la sainteté que Dieu t'a donnée. Attention, parole vivante. Yes. Absolument. Yes. Tout ce qui existe, yes, dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Yes. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'église qui est son corps. Dieu a fait de Jésus la tête de l'église. Et nous tous ici, nous formons le corps de Jésus. Mais la parole dit Satan est sous les pieds. C'est-à-dire Satan n'est pas sous les pieds seulement de Jésus. Satan est sous tes pieds. Satan est son quartier général. Ils sont sous tes pieds. Ils sont étouffés. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: les justes sont délivrés par la connaissance. Parce que nous avons été déjà translatés du royaume de ténèbres au royaume de lumière. Maintenant, dans le royaume de lumière, c'est la connaissance qui nous apporte d'expérimenter la délivrance. L'apôtre Paul a dit dans tous les épîtres, dans Romains 16, 20, il a dit ceci: et bientôt Satan sera écrasé sous vos pieds. Bientôt. Mais nous voyons dans Éphésiens que Satan a été déjà placé sous nos pieds. Et que bientôt c'est maintenant pour l'église. Et bientôt on est allé. C'est l'heure même que Satan doit reprendre sa position. Lingala yalelo. Nzambe atia biloko nyonso na se ya makolo ya Kristo. Pe apona ye azala motu ya eklesia. Nzambe atia biloko nyonso ya mabezala na se makolo ya Kristo. Pe aponi ye azala motu. Yo suko zali nzoto na ye. Makolo ezalaka wapi? Où se trouvent les gens? Makolo ezalaka na motu? Makolo ezalaka wapi? C'est-à-dire ce soir, tu vas prendre conscience que le quartier général du mal, l'esprit du mal, qui séduit, qui manipule, il est sous tes pieds.
Molimo wana o azo bebi sa makambo azala kande na se makolo na yo. C'est-à-dire à partir de ce soir, cet esprit du mal ne pourra plus manipuler ta vie. Parce que tu as pris conscience de sa position. La seule chose que le diable n'aime pas, il se déguise, il n'aime pas. Il n'aime pas être démasqué. Voilà pourquoi même il nous trompe par des humains. Il passe par la tante, il passe par l'oncle, il passe par qui que ce soit. Mais la parole a dit, votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous. Satan n'est pas l'adversaire des dieux. La parole a dit clair, Satan est ton adversaire. S'il y a quelqu'un qui doit s'occuper de lui, ce n'est pas Dieu, c'est toi parce qu'il a investi sa puissance. L'église reste passive. L'église attend que Dieu s'occupe de Satan. Mais la parole a dit c'est votre adversaire. Ce n'est pas notre adversaire. C'est votre adversaire. C'est-à-dire à toi de s'occuper de lui. Et ce soir, il va se remettre à sa position. Et il va laisser les captifs être délibérés. La parole nous dit les justes sont délivrés par la connaissance. Mais si tu es là, tu n'es pas encore né de nouveau. Il doit avoir d'abord une transformation, c'est-à-dire Jésus-Christ doit d'abord te transporter du royaume de ténèbres au royaume de lumière. C'est-à-dire quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est ressuscité, il y a un système qui se passe dans ton esprit. Spirituellement, tu quittes le royaume de ténèbres et tu te places dans le royaume de lumière. C'est l'opportunité pour toi. Pendant que l'enseignement est en train de te dégager, le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est le moment. La délivrance doit commencer d'abord en croyant que Jésus est ressuscité. Dans les ruses du diable, parce que nous avons vu qu'il n'a pas de pouvoir, il est resté seulement avec les ruses et les mensonges. Dans Deutéronome 28:33b, la parole dit que tu seras opprimé chaque jour. Chaque jour tu seras opprimé. Quand tu vois l'oppression, par la révélation de ce soir, dis-toi que c'est une malédiction. Deutéronome 28:33b, parce que le diable t'oppresse à marcher comme tout le monde. Dans ta famille, il n'y a rien qui prouve que tu es enfant de Dieu. Si ce n'est seulement le parler en langue, mais il n'y a rien qui démontre la racine. La nature de Dieu n'est pas démontrée. Parce que le diable t'étouffe. Deutéronome chapitre 28, verset 33. Version Louis II. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette révélation, le diable fait le shift. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas véritable. Au lieu que toi tu écrases, maintenant le diable vient t'écraser. Il a dit tu seras écrasé et étouffé tous les jours. Mais la bonne nouvelle ce soir est que Galates 3:13 est venu. Il a dit que la malédiction a été tombée sur Jésus. Donc l'oppression que le diable te fait subir jour et nuit, cette malédiction Jésus l'a ôté. Alors ce soir tu vas prendre la bénédiction. Qui est que le diable est sous tes pieds. Le premier miracle
miracle que Marc 16 nous annonce. J'aime cette parole parce que c'est après avoir seulement cru, il y a des choses qui se passent. On n'a pas dit tu dois passer par des enseignements. Non, non, il a dit seulement quand tu crois. Voici les miracles qui t'accompagnent. Et en première position, il a dit vous chasserez le démon. Le diable ne sera pas chassé par Jésus. C'est toi, il a dit vous chasserez le démon. C'est-à-dire c'est notre responsabilité en tant qu'église. Partout où le diable est en train de ravager, partout où nous passons, si nous voulons voir la gloire de l'évangile, nous devons chasser le diable. Et ce soir, je crois au Seigneur Jésus. Parce que vous vous accordez avec moi. Ce soir, les esprits des eaux vont lâcher. Les principautés vont lâcher. Le quartier général du mal vont lâcher. Général parce que vous et moi, Jésus a dit, ce sont les miracles que Dieu nous accompagne. Et ce miracle sera déclenché maintenant. En mentionnant le nom de Jésus. Il a dit, au nom de Jésus, les démons seront chassés. Et si nous allons encore dans Apocalypse, nous voyons encore digne l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 5, 12. Apocalypse 5, verset 12. Il a dit pour recevoir. Toujours en première position. Mais pourquoi? Quelqu'un va te demander, le Saint-Esprit, tu vas demander pourquoi toujours en première position la puissance. Parce que Jésus t'a placé ici pour que toi tu le tourmentes. Parce qu'il a déjà déplié. C'était l'ennemi déjà réduit à néant. Seulement toi et moi, yonanga, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous devons imposer cette autorité partout où nous passons. Il a dit, première liste, il a dit, il a reçu la puissance. Et la puissance, c'est pour être utilisée. N'entends jamais quelqu'un le pouvoir pour qu'il reste passif. Quand on investit le chef de l'État, on dit que le pouvoir en place. Nous voyons que le chef de l'État exerce son pouvoir. Mais c'est seulement l'église qui reste passive. Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus a reçu pour toi la puissance pour l'exercer. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ton intelligence. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable a peur de la puissance. Et c'est celui qui reconnaît qu'il a été investi. Oh, oui. Nous allons courir derrière le temps. Nous allons voir deux personnages bibliques que l'esprit du mal a injecté son poison. Pour que ces personnes vivent loin des dieux. C'est dans Actes 5, 3, on peut lire ensemble. C'était des enfants des dieux dans l'église primitive. Parce que si je cite l'ancienne alliance, quelqu'un va dire le Saint-Esprit n'était pas encore permanent. Mais ces personnes étaient des enfants des dieux. Dans l'église. Actes chapitre 5, verset 3, version Louis II. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mal-aimé, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Yes. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Pourquoi ça, tu as laissé Satan à Kosayo? C'est-à-dire ces personnes, ils étaient passifs.
ils ne reconnaissaient pas l'autorité que Jésus-Christ leur a donnée. Ils ont laissé Satan remplir leur cœur pour qu'ils soient loin des dieux. Mais si ces personnes reconnaissaient l'autorité de Jésus, même quand ils étaient encore à la maison, pendant qu'ils sont en train de discuter avec sa femme, ils pouvaient dire non, ça c'est l'ennemi. Nous devons prendre l'autorité sur l'esprit de mensonge. Peut-être que ces personnes seront exemptées. Singala, s'il vous plaît. Version Lingala Yalelo. Bongo Pierre Alobi. Anania. Bonanini. Satan a côté lio na motema. Okosi molimo monsantu na ndenge olobi. Bonanini Satan a côté lio na motema. Amen. Parce qu'on a vu ici dans 1 Pierre Alobi, votre adversaire, il rôde. Il rôde cherchant qui dévorer. Maintenant, à Walobi, Satan à côté lui. C'est-à-dire, tant qu'on a ça, la rôde naé. Pendant qu'il rôdait, aïe à côté lui. Il est venu entré en lui. Tu marchais dans la piété. Mais tu te retrouves comme tout le monde. Il y a un esprit derrière. Version Parole Vivante, partie A. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur? À tel point possession. Pourquoi tu as laissé Satan? Bon, allez, on dit Satan. Tu as laissé, c'est-à-dire c'était sa responsabilité. Et les gens ont dit, Kumba naye Ananias. Ce n'était pas Jésus de le faire. Yesu tenda sekele ko sala yango. Amen. Libongo liya mokili ya sika. Kasi petelo aloba ki ete. Ananias. Pona nini Satana apesiyo mpiko po okosa molimo mosantu. Satana apesiyo mpiko. Le diable t'a donné le courage. Oui. Satana apesiyo courage. Amen. Peut-être ozala ki nao bien. Peut-être tu étais là. Oso tambo la malamu na nzambe. Tu te conduisais bien. Mais il y a un moment donné. Na mora mora courage moko ekote lio. Un courage pénétrant. Yako finga. Pour insulter quelqu'un. Mais peut-être en début, il y a marche na yo chrétienne. Peut-être au début de ta tu marche. Tu n'as jamais insulté quelqu'un. On dit qu'elle mais courage, ouane ou tu d'où vient ce courage? Satan a péché un pico. Le diable t'a donné le courage. Tu étais faible à faire du mal. Mais pour Kangela Mutukanda, c'était difficile. Même pour Osala et Kobo, c'est là qui est difficile. Mais pour commettre l'impudicité, la mais à un moment donné, tu as pris le courage. Et tu me démontres même. Dis-toi qu'il y a un esprit. L'apôtre établi peut se poumonner ici tout un mois. Pour cette parole prophétique. Mais aussi longtemps que tu ne t'occupes pas maintenant pour décoller. Tu reprendras toujours dans le statut. Parce que ces hommes étaient des enfants affermis dans la foi. C'étaient des personnes affermies dans la foi. Ils étaient même près de l'apôtre. Parce que ceux qui apôtrent à Bengi, c'est-à-dire Bazalaki Pembeni. Ce n'était pas des gens lointains. Mais Satan a péché par un pic et un coco. Mais le diable leur a donné le courage. Ce soir, tu vas reconnaître ton autorité que Jésus t'a donnée. Tu dois poser Yango. Toi, esprit de haine, je me sépare de toi. Tu es sous mes pieds, tu es écrasé. Toi, esprit d'adultère, tu es sous mes pieds. Ces hommes n'ont pas exercé le pouvoir que Jésus leur a donné pour sortir de cette emprise. Ils n'ont même pas eu le temps de se réconcilier avec Dieu. Juste la parole quand elle est sortie, il est tombé. Parce que il n'avait pas la conscience qu'il a été investi. 1 Corinthiens 16, 9 nous dit 1 Corinthiens 16, 9 nous dit une porte grande et efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. La porte, c'est ça, la réconciliation avec Dieu. Mais il y a l'adversité, le diable qui ne veut pas
Il ne veut pas que tu te réconcilies avec Dieu. Mais aujourd'hui, ce soir, par ce culte de délivrance, ayez bon amour tout n'y en sauté. Ce n'est pas venu pour tout le monde. Elle est là pour vous. Ozibo sosolina butu ya lelo. Qui a reçu la compréhension. Kesali butu nanga ya délivrance totale. C'est mon soir de délivrance totale. 2 Corinthiens 4, 4, totangi na 1 Corinthiens 16, 9 na lingala. S'il vous plaît. Ce soir, il y a deux catégories de personnes que le Saint-Esprit veut s'occuper d'eux. Ce soir, peut-être que tu ignores l'autorité que Jésus t'a léguée. Ou tu te sens éloigné des dieux. Tu as dit, est-ce que moi vraiment je veux chasser le démon? Le diable t'a vraiment culpabilisé dans ce trou. Il t'a culpabilisé que toi, est-ce que toi tu peux me chasser? Mais toi tu es avec moi, avec dans la maison là, de l'ex-imam là. Est-ce que toi vraiment tu peux me chasser? Il y a vidéo. Toi qui as conclu l'alliance avec moi par des vidéos. Mais ce soir, le Dieu qui t'aime tant, il a dit, ce miracle t'accompagne toujours. Prends conscience que le diable c'est un menteur et il ne peut rien contre toi. Il a été dépouillé. Tout cela ce sont des ruses. Tout cela ce sont des ruses. Si tu veux vraiment sortir de cette emprise, tu peux même rester calme. Parce que moi je crois en Dieu. Dans la foule, il y a des gens que Dieu a investi le pouvoir et que maintenant là, ces démons seront chassés. 2 Corinthiens 4, 4, je lis au nom de Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il a aveuglé. Il a aveuglé pour que tu ne voies pas. Que on t'a conféré un pouvoir. Que maintenant tu peux l'exercer. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez jamais cru. On t'a aveuglé. À chaque fois que l'apôtre Tabi a sa appel à salut, à chaque fois que l'apôtre Tabi fait l'appel, yo kanisara roko que maté ici. Tu penses que la prédication est comme le gros signe moko maté ici. C'est comme un signe pour mettre. Peut-être que le baisa pona ba o ba yesika. Peut-être tu penses. Mais peut-être que Dieu savait que c'est ton jour. Mais le diable t'a aveuglé. Pour au mon akabatu mususu. Afin que tu vois les autres. Sans pour autant tu regardes toujours le prochain. Tu regardes toujours la paille de l'autre. Mais tu ne regardes pas ta poutre. Aujourd'hui avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons s'occuper de notre poutre ce soir. Et le diable sera remis à sa position. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, 9. Libongo liya mokili ya sika Bambate porte monene oyezali ko pesa nzela na musala efungwa mi liboso na ngai kasi batelemeli bazali mingi. Porte monene, réconciliation avec Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le but ultime de Jésus-Christ sur la terre était de réconcilier l'homme et Dieu. C'est ça le but. Parce que dans l'origine, Dieu voulait son semblable pour dialoguer avec lui. Dieu cherchait une relation avec son vis-à-vis. Voilà pourquoi il t'a créé. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le but ultime de Dieu, c'est-à-dire que vous et lui,
vous soyez en relation permanente. Le diable est venu perturber son agenda. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ que la provision était déjà. La provision du sang était déjà. Pour réparer cette relation. La bonne nouvelle est ce soir. Porte où est fou, il y a réconciliation. La porte de réconciliation. À côté les mélayotés. Parce que les lorats sont à la position. Peu importe les alliances inconscientes que tu as conclues. Aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui va exercer son pouvoir. Pour que ces esprits te lâchent complètement. Au nom puissant de Jésus. La combo na Yesu. Nous avons deux catégories à bateau. Nous avons deux catégories de personnes, j'avais dit. Que le Saint-Esprit veut s'occuper ce soir. Oh, mon livre, Saint-Esprit, il y a ce soir, peut-être que tu as contracté des alliances avec l'esprit du mal. Voilà pourquoi l'adultère ne peut pas te lâcher. La fornication ne peut pas te lâcher. Le mensonge ne peut pas te lâcher. Parce qu'il y a une alliance qui a été conclue. Et cette alliance a été conclue peut-être au canal des vidéos. Des agents du diable, des associations que tu es entré par ignorance, des objets occultes, des sectes, des incantations. Il t'empêche maintenant aujourd'hui de se réconcilier avec Dieu. Même toi-même, tu as peur. Tu as dit comment? Même ta piété devient superficielle. Tu commences à faire des efforts pour que les gens te voient. Pour que les gens voient que quand même tu marches dans la piété. Tu fais des efforts. Mais toi-même dans ton cœur, tu sais que tu n'as jamais réconcilié avec Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Mais la bonne nouvelle ce soir, que ce diable qui te trouble, que ce diable qui te ment, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. C'est un jour. Tu as cru au Seigneur Jésus. Si tu ne veux même pas exercer l'autorité, laisse quelqu'un dans la salle. Et cette prière va te toucher maintenant. L'onction de la délivrance est présente. L'onction de la liberté totale est présente. Pour que tu décolles dans ta réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu t'aime toujours comme le premier jour. Son amour n'a jamais vieilli. Son amour n'a jamais fané. Il a dit, il a tellement aimé le monde. Jean 3,16, j'aime cette parole. Il a tellement aimé le monde. Il n'a pas tellement aimé l'église. Il a tellement aimé tous ceux qui sont dans le mal. Voilà pourquoi lui-même il s'est livré. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang pour que lui soit en toi. Et pour que tu commences à tourmenter le diable. Le temps est arrivé. Quand dans ce partage de Marc, Jésus est entré dans une ville. Et l'esprit de Marc qui était dans le fou de Gadara. La parole de Dieu déclare. Toi, pourquoi tu es venu nous tourmenter? L'église leur a sonné. Pour que nous tourmentons le diable. Qui lâche complètement ses captifs. Leur a sonné. On ne peut pas manifester la sainteté si nous ne nous occupons pas de cet ennemi, si nous ne nous occupons pas de cet adversaire. Quand nous allons intercéder, si tu te sens culpabilisé, tu peux laisser, il y a dans l'atmosphère l'onction de guérison, il y a dans l'atmosphère la guérison de l'âme. Il y a dans l'atmosphère la délivrance. Ces esprits impurs
vont être déguerpissés maintenant. Et tu pourras enfin entrer dans ta réconciliation parfaite avec Dieu. Ça ne sera plus superficiel, ça ne sera plus sur les lèvres. Parce que lui, il va te lâcher. Il reconnaît l'autorité que Jésus nous a donnée. Et ce soir, nous allons exercer cette autorité. Nous sautons les mains. Nous allons nous lever. Il y a deux catégories de ces personnes. Et là, bah, le diable aujourd'hui, Lelo, Satana, il va te lâcher. Azoti kayo. Il va te lâcher. Azoti kayo. Osawana, osana besoin à côté car masturbation. Tu es là, tu as besoin d'abandonner la masturbation. Mais Satana, son toujours pico, courage, à côté la porno. Le diable te donne toujours le courage. Osawana, on dit aussi kayango vraiment. Tu veux abandonner ça. Mais son pèse au courage même temps batubala liyo fungoli. Mais il te donne le courage même pendant que ce tu cours. Ce courage-là, bien-aimé, ça ne vient pas de toi-même. Courage, il y a un esprit impur. On lit mon moment, ma paix à Zana Sima. Ce soir, mais la peau, nous allons exercer l'autorité. Cet esprit d'impudicité va lâcher. Mon lit, mon père, on a cet esprit de mensonge va lâcher. Mon lit, mon locuteur, on a cet esprit de cupidité va lâcher. Mon lit, mon père, on a cet esprit de cupidité va lâcher. Soit fait de l'argent. On s'en a le cours en bon moment, même au coquille, au bon mamout. Tu peux jusqu'à ce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et ça, il y a un esprit. Et ça, mon livre m'a fait. Cet esprit nous a dit. Mon livre m'a fait. Satan est écrasé sous nos pieds. Satan a mis la tête de Jésus-Christ. Il a dit, il a mis lui sous nos pieds. Et la tête de Jésus-Christ. Tu chasseras le diable. Alors bien copain, quand la mouille m'a bé. Bravo, et on chasse les démons par la langue qu'il entend. Yes, parce que le parler en langue, il n'y a que Dieu qui entend. Parler en langue, ça me rend yoka. On chasse le démon par la langue qu'il entend. Et quand la démon est ça, la mouille m'a bé. Tu vas exercer ton pouvoir. Toi, esprit de mensonge. Toi, esprit de haine. Tu es écrasé sous mes pieds. Toi, esprit des eaux. Qui me séduit tout le temps dans le mal. Qui me manipule dans le mal. Maintenant. Tu prends autorité sur toi. Tu reconnais l'autorité que Jésus m'a donnée. Je viens d'imposer cette autorité. Lâche complètement tout enfant des dieux qui s'est mis debout ce soir. Moi, je ne sais pas si tu as mis la porte de l'eau. Dans le cas où tu as contracté des alliances, et ces alliances te conduisent toujours dans le mal. Là où tu es, le Saint-Esprit te voit. Et si vous allez voler pour Saint Osomona, tu n'as pas besoin de montrer ta main. Osana pour Saint-Esprit au tal ça localise. Voler pour Saint Osomona, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un que tu as laissé à la maison. C'est ta femme, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton mari. Tu vois toujours qu'il retourne dans le statu quo. Osawana Osolanda Biso online. Vous êtes là pour nous suivre en ligne. Tu es concerné. Vous êtes concerné. Laisse maintenant. Sikete Sikasikoyo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que Jésus-Christ a investie en moi, je brise toute alliance maléfique. Je brise toute alliance inconsciente avec le monde des autres.
avec l'esprit du mal. Maintenant, ces alliances sont détruites au nom de Jésus. Sont détruites au nom de Jésus. Toi, esprit de mari et femme de nous. Toi, esprit de ceux qui s'incarnent dans le mari de nous. Toi, esprit de ceux. Ton alliance est brisée. Sur toutes celles qui entendent cette voix. Ton alliance est brisée. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui veux éloigner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu es démasqué. Satan, tu es démasqué. Et ton pouvoir n'a pas d'opé maintenant. Tu ne peux plus opérer maintenant. Tout celui qui entend cette voix, tu ne peux plus opérer. Je t'interdis dès à présent. Je t'interdis dès à présent. Leurs noms sont supprimés dans tes loges. Et tu le fais par tes forces. Ce courage est à ôter. Yes. Courage, oh Satan, appelle sa caillonne et le est à ôter. Le courage que le Dieu me donne. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit du mal, nous te remettons à ta place. Tu es chassé, le Seigneur. Esprit du mal, tu es chassé. La réconciliation c'est la fête. Satan dégage. Satan abîma. Satan abîma. Ma sonde arrive au chandelier. Peu importe les fondements que tu as placés. Ces fondements sont neutralisés. Ces fondements sont détruits. Satan, nous te chassons. Engage. Nous prenons autorité sur toi. Engage l'autorité. Nous prenons autorité sur toi. Le diable que le Saint-Esprit nous a donné, c'est engager l'autorité de Dieu. Pour entrer pleinement dans la réconciliation avec Dieu. Voilà mon côté d'abord que nous sommes sur la Zambé. Dans le nom de Jésus. Esprit du mal, esprit de tourment, esprit d'oppression, nous te chassons, nous te chassons, nous te chassons. Au nom de Jésus, par l'autorité qui nous a été donnée, la parole de Dieu me dit que je t'écrase sous mes pieds, que je t'écrase sous mes pieds. Yes. Tu ne me feras aucun mal. Yes. Tu ne me feras aucun mal. Yes. Car Jésus a dit dans Luc, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné ces personnes vont dès à présent manifester la sainteté de Dieu, manifester la piété. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. In Jesus' name. Ayoki. Il a entendu ta prière. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la prière. Tu sortiras de ces lieux légers. Et on verra Jésus au travers de toi. Ça ne sera plus, on ne va plus te demander où est ton Dieu. On va voir Jésus au travers de toi. C'est notre culte de Sainte-Seine, aujourd'hui Sainte-Seine. Colossiens 2, 9 à 10, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen.
Il a dit en Jésus, il réside toute la divinité de Dieu. Et c'est lui le chef de toute domination et autorité. Et maintenant nous allons manger sa chair et nous allons boire son sang. Je crois maintenant que la divinité qui est dans Jésus, cette divinité va se manifester maintenant. Comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, je vais paraphraser. Ils étaient là avec Jésus. Il parle avec Jésus. Mais il ne reconnaissait pas. Jésus est ami du temps. C'est comme vous et moi. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus habite en toi par le Saint-Esprit. Mais tu n'as jamais vu, tu ne l'as jamais perçu comme il est. Mais dans Luc 24, quand Jésus a fait la Sainte Cène, ses disciples maintenant, ils ont vu clair. Par la Sainte Cène de ce soir, on reçoit perception exacte de la divinité de Jésus. Tu reçois la perception exacte de la divinité de Christ. Nalingala, s'il vous plaît, Colossiens 2, 9 à 10. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, Lingala Yanelo. Zokande, mobimba ya nzambe ezali kofanda na nzoto ya Christo. Mobimba ya nzambe ezali kofanda na nzoto ya Christo. Alléluia. Verset 10. Pebino bosi bozwi bolamu nyonso na lisanga na ye. Ye azali bokonzi ya milimo nyonso oyo ezali na bokonzi pe nguya. Alobi azali mokonzi ya milimo nyonso. Le maître de Siko yo ozo sangana na ye. Vous unissez à lui. Par cet instrument de la sagesse de Dieu. La divinité qui est en Jésus. Parce que nous allons entrer en contact, en communion avec lui par la Sainte-Cène. Cette divinité va s'actualiser au nom de Jésus. Comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. À partir de ce soir, tu auras une autre perception de Jésus. Tu ne verras plus le Jésus sur la crèche. Tu ne verras plus le Jésus bébé. Tu verras Jésus qui a dépouillé les autres. Tu verras Jésus qui a réduit à néant l'esprit du mal. Yes. Tu verras ce Jésus qui n'a jamais péché ici sur la terre. Et ce Jésus maintenant habite en toi. Cette divinité va s'actualiser. Otongoli, onyon se zali ya komela, onyon se zali ya kolia. Vous levez tout ce qui est boisson, tout ce qui est nourriture. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tout ce breuvage et tous ces objets. Que la puissance qui contient ton nom bénisse ces repas au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit transformé en ton sang et à ta chair. En mangeant maintenant et en buvant maintenant. Comme ses disciples, que nos yeux voient la perception telle que tu es. Que la religion soit détruite au nom de Jésus. Que notre relation parfaite soit installée. Jour après jour. Par cette sainte scène, la réconciliation est établie. Réconciliation et vendissami. Parce que toi tu es saint. Que la sainteté soit actualisée. Parce que toi tu es amour. Que l'amour soit mis à jour. Parce que toi tu es fort. Que la force soit actualisée. Que toutes les maladies se changent en guérison. Que la captivité se change en délivrance. Ce soir nous sommes totalement libres. Les lotos. Je suis sincère.
tête nayo au panti ko déclarer la divinité qui contient dans le nom de Jésus. Prends ta sainte tête, commence à déclarer la divinité. Au panti ko déclarer rabasson to prachande. Madame la katina komo na Yesu. Mais gros son to prachande. Na putu ya lelo ba misu sou vos autres soit vision claire. Les autres, certains vous aurez des visions claires. Le Saint-Esprit va te parler audiblement. Le Saint-Esprit va te montrer les choses que tu n'as jamais vues. Sur ta destinée, la destinée de l'Église. Les destinées spirituelles sont actualisées. Parce que la divinité est dans Jésus. Et c'est lui que tu manges ta chair et tu bois le sang. On peut te lire sous ma si à ma boko makasi wana. Toso Benga, apôtre établi de cette commission. Maboko Wana, est-ce que vous pouvez encore acclamer fortement le nom de Jésus? Bete la Yesu, Maboko Makasi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Beta, 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 quel message? Matin à l'olenge nignoyo. Nani a pambola mina butuale. Qui est béni ce soir? Praise the name of Jesus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions tous courber nos têtes. Na Jacques chapitre 4. Dans le livre de Jacques chapitre 4. Écoute ça. Yoka. En participant à la Sainte Seine, vous pouvez écouter cette lecture. Jacques 4. Jacques chapitre 4. Versets 7 et 8. Jacques 4, verset 7 et 8, écoute version. Ce que la parole de Dieu dit. Version Darby. Verset 7. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. J'imagine que peut-être commence à 6, en anglais, à l'obé, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he shall flee from you. Miki tisana no liboso na nzambe. Tanga bona ngai parti à verset 6. À partir de verset 6. Jacques 4. Jacques 4, version d'Arbi. Mais il donne une plus grande grâce, c'est pourquoi il dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu. Continuez. Verset 7. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Écoute. Yoka. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je te dis, tu n'as pas le pouvoir de résister le diable. Qui est d'accord avec moi? Amen. Et non, qui est d'accord avec cette révélation? Regarde Actes des Apôtres. Ils sont vus Paul. Chasser les démons. Et aussi sont venus. Au nom de Jésus. Que Paul. Mais au lieu de chasser les démons, les rats. Chasser. Écoute. Alobi, soumettez-vous à Dieu. Bandela. Soumettez-vous donc à Dieu. Verset 7. Résister au diable. Voilà, tu dois se soumettre à Dieu avant que tu résistes le diable. Et ce qui dit oyé manan ko to sanzambe ya moete yo teleme na sata. Même si tu es né de nouveau, je m'en fous. Attaque au yamba déjà yé. Mais si tu marches plus dans la volonté de Dieu, c'est dangereux. Sans autant les sous te kati na mokano na nzambe ezali kama. Dieu parle à ses enfants. Vous allez marcher sur les serpents et scorpions. Pas le païen. Voilà pourquoi si tu es ici ce soir. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Je vous donne le privilège de donner votre vie à Christ. Jacques 4, 7 à l'obé. D'abord, il faut se soumettre à Dieu. Jacques 4, 7 à l'obé. Même si vous êtes là, vous vous mettez. Il faut se repentir, ou se réconcilier dans Zambé, ou se soumettre dans ces autorités à Zambé. Avec cette autorité, oko benga na molimo mabe bakoto sa yo. Et ce que les nan osongi saboyo kani na yo na Zambé, omi kiti sali boso na ye. Tango kosala yango oko songuya wana pesata na kokima ni boso na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Mikiti sal nanu liboso na nzambe pe
yo telemela satana akokima mosika na yo. Peut-être vous avez un peu rétrogradé. Peut-être vous êtes là, vous êtes rétrogradé. Il faut songer la tata. Il faut retourner au Père. Amen. Amen. C'est ainsi à chaque fois. Na kombo wana, na monoko na yo, na maboko na yo, okoki ko résister l'ennemi. Et voilà pourquoi chaque fois avec ce nom dans ta bouche, dans ta main, tu peux résister l'ennemi. Alléluia. Amen. Nabutu alléluia ozawa na nanu yambie soutien na vina. Vous êtes là ce soir, vous n'avez jamais donné votre vie. Na ligio tombo la maboko na obisiko zani. Je veux que vous puissiez lever votre main partout. Votre sambe la elongo. Afin que nous puissions les plus grands miracles. Les années pour yamba Yesu. C'est recevoir Jésus. Tango komi mwana nzambe. Quand vous devenez enfant de Dieu, c'est alors que vous recevez l'autorité. Pour résister. Pour résister. Sinon, kubana obundana eloko wana. Sinon, vous allez continuer à lutter avec cela. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Obano obundana ngo. Tu vas continuer à lutter. Parce que il n'y a pas d'autorité. Autorité est parce qu'il n'y a pas de soumission. Mutozo utilise combo nae. La personne dont tu utilises. Osa soumettre tes na autorité nae. Tu te soumets pas à son autorité. Et possible. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Osa wana oligo yamba Yesu David na yo. Vous êtes là, vous voulez recevoir. Tombola no koko na yo. Élevez vos mains. Likolo. Esa le plus grand miracle le kanyoso. Esa bikamo ele kibikamo nyoso. Tango Yesu akoti na vie na yo. Quand Christ pénètre dans ta vie, okozala na autorité likolo ya nyonso. Tu auras autorité sur tout. Oza représentant physique awa na se ya Yesu Masi. Vous êtes le représentant physique de Christ sur ba terre. Batuana bazui duplion, tomola duplion, simba yango tomola ngo likolo. Tous ceux qui ont des dépliants tomola kaka maboko na yo. Élève juste ta main avec le dépliant. Na lito sambela, loba simba na ngai Seigneur Jésus. Loba Seigneur Jésus. Na yoki mgongo na yo na poko alelo na tuti sami na mutima na ngai e na yeli boso na yo na sengi yo o limbi sangai pona masumu nyonso mabe nyonso na sala peto langa na makila na yo oyo sopaki na ekulusu pona ngai e lelo na ndimi yo na mutima na ngai e na tatoli na munoko na ngai kina komi mwana nzambe na komi ekelamu ya sika na kombo na Yesu Masia tosambeli amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Le temps de témoignage. Tobeteli Yesu maboko makasi. Sœur Rite Monzio. Sœur Rite assemblée la gana bisoté. Mais à comment sambela na biso po nzamba liziba ala kisiengu ya na ye. Alobi un dimanche a sali crise na butu. Le kwa bazana ndeko na bango moko sambela kana film mwana liziba ba eko benga ye. Alors tango ba bengi enda kenda ki kuna a sambeli na ye a sali ba mystère et vers 23h a eko reprendre vie na ye santé na ye normal. Alors lobi nango a ke l'hôpital. Ba checké malade ezalaki te mais eloko ezalaki plus ezalaki ba forte fièvre continuelle. Ma train de quoi sambela ki ne mais 3 semaines fièvre kaka 40 et kitakate. Et alobi un jeudi ba yena de koné wana po ba kota na ambassadeur mais ambassadeur te bi ke décembre ya mbarate pour fois paiement. Amen. Alors je dis tango ba komi awa ba kota ni na pasteur Daniel sous l'onction ya papa d'ayo assemblé na ye et a teyé le mystère du royaume a pamboli ou l'onction a pamboli makila et a instruire chaque minuit telemaka na butu banda ko sambela et depuis bando sala ko sambela na butu na ba mystère du royaume a zo appliqué fièvre wana ya 3 semaines et disparaîtra complètement. Voilà pourquoi il copé sans nzambe merci et a lobi atikali scotché collé serré na nzamba d'ayo Samuel oye longate. Bete la Yesu Masia maboko makasi. Sœur Simplice Mido. Azana deux témoignages. Témoignage à Liboso et apona ba mystère du royaume. Alobi chaque année, maman naye a belaka. Soka beli et soukaka, il faut ba transfuser. Et transfusion ana 3 sachets, to 2 sachets ya makila. Le 25 décembre, et loko esala ka maman na bango esali. Ba bengye na téléphone. Balobi Yamido,
et l'eau est salée à maman et salée les sous. Yami doit être à ma lewa, le lope ma lewa était kamite. Nazan ambongote. Mais cette fois-ci, n'engue na zoya, na zola qui s'habille l'eau koto yekola na tempe de signe de prodige. Est-ce qu'on peut être là, si yama boko makasi? Yami d'otan wa zombi, a zombi jinanzela, a komye pa maman, a ebisi alobi maman. Ji oyo na sanctifié ngo na kombo na Yesu Masia na komisi ngo makila na Yesu Masia ndenge makila ya Yesu ekoko kaukate ya yope ko kaukali susu ndengo zomela yango okangolami obikisami kaka ndenge papa da yalobaka apesi mama makila na Yesu Masia mama melia bi mama hopitale loto kokende te mela makila na Yesu 3 jours et mama meli makila le 25 le 26 Le 27, makila ya mama ezongi normal. Anomalie nyonso zaki na nzoto et disparaître complètement. Wale zaki na 2019. Depuis la makila na 2019, batali 2020, mama intacte à bonne santé. Voilà pourquoi Sœur Mido a écopé santa me merci pour la ban mystère du royaume. Oye longa te. Betela Yesu Masi ya maboko makasi. Deuxième témoignage, Adopé Sanzam, merci pour la préservation. Alors, lundi, Azaki na matin prophétique. Et à quel business naïe? Transport Azaki tellement pas si na pourquoi? Babanzo kene makolo, makolo, makolo. Bah, comme il a remoko, bazo c'est la transport. Alors, place Bazalaki. Bah, yoki molimo moussant tout kolobla bango, bah se déplacer. Alors, tangou kaka bah se déplacer. Alors, bi jeep et outil de nulle part. Tango bango ba se déplacer motawewa ayako stationné motonewana kaka tango ba se déplacer jeep et touti motawewa na moto na wewa na jeep na kanivoe wo mais bango nzamba dayo Samuel a préservé bango pour bible lobi 1000 tomberont à gauche 10000 à ta droite tu ne seras pas atteint voilà pourquoi ayako pesa Yesu Masia merci pete la Yesu Masia maboko makasi. Frère Justin, yepe lo lenge moko. Frère Justin assemble la kelongo na bisote. Mais après do takinde komoko assemble la na temple de signes et de prodiges. Kaka tango après doté mbala moko excès de sucre bandi. Sucre zo mataka 500. Alors abengi papa na mboka papa lo bi non, awa tozana batu moko expert. Ki si tozo tinda soko meli Tintunga. Frère Amélie qui se outi bandou. Asili si qui s'habite, tension et qui t'y pendra bien. Dès que qui se sili, tension à sincère ou de kota. 500 de sous. Sa fiancé à l'obi, y'a Justin. Nga moi si na yo fiancé na yo, na yaki na temple de signe de prodige. Ba opéra kaka me douleur opération et zako silate. Mais tant qu'on a qu'une église wana, papa sambeli ponanga na zoa guérison totalement. Yakato kende na temple dessiné des prodiges. Tant la voiture de Bissau Zane Sika Malam. Frère Justin, comment y a na temple des signes et des prodiges? Et à l'obi, dimanche le 24, ambassadeur du Christ na office prophétique, à l'obi, oza awa, excès de sucre wana. Zambenanga abikisio akangolio. Frère Alobi, dimanche wana yaki na forte fièvre et azalaki tellement maigrissant. Santo bomoni puisque comme on a tapé les de prodiges. Frère Nakosi. Tant que parole est bimi. Après la parole n'est pas égal avant la parole. Tant que lilobe bimi, liloba Yesu Masia et absorbe que c'est des sucres wana. Frère Alobi, kaka tangou liobe bimi, fièvre nyoso et disparaître. Abimi nan zela yokin zoto pepele. Alobi as ingénieur. Tangou abimi pas zikop. Akene na Congo central. Pour tanga na Institut Boutou Tongo Pokwa. Na lingala IBTP. Akene kobanga wana. Kwaye ke komata lisusu. Mais asali musala kitoko. Azongi ake a cheke et sikre normal 107
Voilà pourquoi alors témoignage oyo na koko bomba yango te Yesu Masiya zo lokumo sœur Nabiso fina kazi azope sanzame merci pour le lozo fête anniversaire na ye bete la Yesu Masiya maboko makasi. Maman la joie a tindi témoignage azope sanzame merci pour la préservation alobi esika salaka chef direct na ye basuye na COVID-19 et ba obligé bango nyonso ba sala test mais alobi Bible lobi tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde c'est que ceux qui ba kokozwa COVID na nzoto ya Yesu te na nzoto ne pe COVID ko kozala te et a ke inerbe ba checker yaza na COVID te. Mais par contre ba ninga mususu ba collègue mususu ba trouver bango na COVID. Voilà pourquoi a-t-il des témoignages bete la Yesu Masiya maboko makasi. Bete la Yesu maboko makasi. Que Dieu vous bénisse. Nani apango la mingi na butu alelo. Ye enormément. To telemi to tomboli maboko na biso likolo. Levons-nous et telema place aux amis. Ato koti awa maladif na butu alelo. Même si tu es entré en ces lieux malades. Écoute. Yoka. Nzoto na makila obuti ko lia omeli. Le corps et le sang dont vous avez mangé bu. Ezaya mututé. Ce n'est pas le corps d'un homme. Ezaya Yesu Masiya. C'est le corps et le sang de Jésus. Ezaya Zambe. Le sang de Dieu lui-même. Écoute. Yoka. Soki ozo lia haricot. Si vous mangez le haricot. Balobi ekopi sa yonini. Protéine. Protéine. Yo, est-ce que yo lia protéine? Non. Olia nini? Mais na kati haricot. Ok. Mutu o meli makila na ye o lien zoto na ye na kati ya makila na zoto na ye réside quoi la vie non réside quoi la vie na butu alelo yamba pomo ina zoto na ye reçois la vie na zela communion wana yamba pomo ina zoto na ye yo soezo memana liwa na déclarer epi mana zoto na ye esa la maladie est disparaître na zoto na ye na kombo na Yesu Masiya. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Comme bon à Yesu. Le Saint-Esprit me dit. Pose ta main partout tu as mal. Même si tu as mal maintenant. Quelque chose se passe à travers de cette communion. Et l'on commence au sein de la communion. Comme point de contact. Tel que tu as posé la main comme point de contact. Activé la vie de Jésus. Qui se trouve dans son... dans sa chair et son sang. Et fait disparaître pas si yos. Qu'elle fasse disparaître toute douleur. Parce que pas si wane koko vanda te nan zoto ya. Parce que cette douleur ne peut pas rester. Malade wane koko vanda te nan zoto ya. Cette maladie non plus. Na maudire maladie yos. Je maudis toute maladie. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Et toute faiblesse. Bolembu nyonso. Ozo zo ki sayona eloko sio sans ikala. Toute faiblesse qui te fait retourner à ta vomissure. Kolanda basi, kolanda mibali. À la pudicité. Et loko yoso, yo wana kokosa. Le mensonge. Tout ce que tu as abandonné. Yo wana kotan, kotonga. Te voilà dans la communion. Par cette communion. Et loko wana elakela mimabe. Cette faiblesse. Faiblesse wana elakela mimabe. Yes. Bien que tu confesses le nom de Jésus, mais tu fais de mauvaises choses par cette communion. Je détruis ces mains. Je détruis ces mains. Au nom de Jésus, déclaré au Kangolami. Tu es délivré. Paix au Bikisami. Et tu es guéri. Nalobi au Kangolami. Tu es délivré. Paix au Bikisami. Tu es guéri. Nalobi au Kangolami. Tu es délivré. Au Bikisami. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.